Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui je suis face caméra parce que je viens de vous ouvrir un colis et du coup je reste face caméra parce que j'ai reçu un courrier. Alors, un courrier dont je connais le nom et qui m'a beaucoup étonnée en fait, et j'étais surprise et super contente en fait de recevoir ton courrier, Coco. Donc j'ai reçu un courrier, donc je vais pas vous montrer les adresses, voilà comme ceci, de Rose Coco Bonbon. Et du coup ben ça m'a fait super plaisir et ça me fait voilà, ça me fait chaud au cœur parce que ben, je la suis depuis avant que j'ai débuté ma chaîne en fait. Donc du coup je crois que c'est là une des premières personnes que j'ai suivies sur YouTube dans le scrap, et je continue d'ailleurs à la suivre, et donc du coup ben voilà, ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout et je savais pas d'ailleurs que tu avais mon adresse ici, donc du coup bah voilà. Bref, des fois il en faut pas beaucoup. Donc du coup je vais ouvrir ça. Alors on dirait que dedans c'est une boîte, ouais, une boîte de perles, mais franchement je vois pas du tout. Voilà. Alors je viens déjà d'ouvrir un colis qui m'a toute perturbée, et là du coup j'ouvre la lettre parce que ça fait quelques jours déjà que je l'ai reçu et que j'avais pas ouvert. Donc bah là des petites perles comme ça que je cherchais en fait. Alors j'en ai trouvé et on m'en a envoyé aussi. Et Elia justement est en train de faire des bracelets et des marque-pages avec ses perles. C'est trop gentil, Coco. C'est trop gentil. D'ailleurs, elle s'est fait un collier Elia hier avec ces perles-là, couleur automnale. Donc elle avait fait orange et blanc. Mais par contre, alors je sais pas si vous avez eu le même souci, mais l'élastique en fait, dès qu'elle a voulu mettre le collier, il y a tout qui a pété. Il faut que je trouve un élastique. Oh, c'est trop gentil, ma coco. Oh, celles-là, je les adore. Alors, les pastels comme ça, elles sont trop, trop belles. Oh, ben merci. Pff, fallait pas, franchement. Ça me touche, hein. Franchement, c'est juste énorme. Je vais t'envoyer un petit message. Ben merci beaucoup, Coco. C'est juste énorme. Je m'attendais pas du tout à ça. Et elle m'a fait une petite carte juste pour le plaisir. Ah ouais, ben tu vois, comme quoi. Et c'est avec les stickers que moi j'arrive pas à utiliser, vous savez. Comme ceci. Donc là, on a nos fameux bacs. Enfin, bon, le mien, il est rempli. Il me sert pas trop. Il me servira un peu plus tard. Là, vous saurez pourquoi, quand. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des choses qui vont changer. Ensuite, bah là, c'est vraiment back to school en plus. Hein, le sac, la rentrée, etc. Ici. Et les petites lumières comme ça. Et en fait, quand vous faites vos cartes avec les stickers, moi, je trouve ça sympa. Et moi, quand je le fais, je trouve ça vraiment pas joli, quoi. Oh, elle est cool. J'adore. Ah, oh, merci. En plus, j'ai un bisou de mamie Cole en plus. Ah, c'est trop bien les filles, je vous remercie. Ça me touche. Et ça m'en fait des frissons. C'est un truc à la con, mais ça me fait des frissons. C'est trop bien. C'est super. Ouais. Je vous dis, le colis d'avant, il m'a déjà scotché. En ce moment, comme je vous dis, c'est pas. Voilà. Donc du coup, il en faut pas beaucoup. Et j'adore l'intérieur de sa carte. Regardez comment elle l'a fait en fait. Voilà, le petit cookie, etc. La gourmandise, hein, Coco, c'est ça. Avec les petits stylos là, etc. Voilà, de la rentrée. Ça, puis douce surprise avec. Franchement, c'est trop. Enfin voilà, c'est trop bien, quoi. Elle est trop jolie à l'intérieur. J'aime beaucoup. Voilà, des fois, voilà, c'est ce que je vous dis des fois, voilà, simple mais efficace. C'est trop chouette. Voilà, c'est trop chouette. Je te remercie beaucoup. Je fais un gros bisou aussi à Mamie Cole, hein, que je suis aussi. Et puis voilà, merci, merci énormément d'avoir pensé à moi pour les petites perles. Donc, ben merci. Comme ça, moi, je vais pouvoir en faire aussi. J'ai pas encore testé et j'ai pas eu le temps. Et Elia par contre est en train de tester. Je suis désolée. Et en même temps, elle est en train, je vous dis, moi elle a fait un bracelet là. Elle a fait un collier. Alors, je sais pas pourquoi il a pété son collier. Et là, elle est en train de faire un marque-page par contre avec. Donc c'est plutôt pas mal. Elle a pris des couleurs. C'est ça la boîte qu'elle a. Elle a pris des couleurs comme ça là.
celle-ci. Elle a marqué Winter et elle est en train de faire un marque-page pour les livres. Donc ça peut être une idée aussi, voilà. Ça peut vous faire une petite idée aussi. Donc elle a fait un marque-page avec ça. Et je trouve l'idée, voilà, c'est sympa. J'ai dit, c'est une bonne idée. Il faudrait que je lui descende un trombone peut-être et qu'elle mette, qu'on accroche au bout là, qu'on fasse un petit nœud et justement le trombone pour accrocher à ses pages. Ça peut être sympa. Ouais, je vais lui descendre un petit trombone comme ça là pour faire son petit marque-page. Ben Coco, je te remercie énormément. Ça me touche énormément. Voilà, comme tu as pu voir. Voilà, vous êtes juste énorme. Voilà, tout le monde, vous êtes. Voilà, c'est juste trop gentil. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros gros bisous. Ah, j'ai patate qui arrive. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes, surtout ne changez rien. Je vous fais des gros bisous et protégez-vous. Allez, bisous la team.